Bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous avons le tarot obstaculaire de Miss Kamchef. Là, nous avons les obstacles du tarot. Ici, nous avons le tarot écrasé à la main par Miss Kamchef. Et là, nous avons la sauce de Miss Kamchef. Attestu de ça, regardez. Attestu de ça. Quand tu manges un tarot fait par ta fille, regardez la texture. C'est comme le miel. La texture, maman, la texture, regardez. Le tout, elle a dépassé maman Kamchef, regardez. Aïe. La couleur de ça. Le tarot est bien écrasé. C'est comme si on avait écrasé la machine. Elle a pris le temps. Et là, ce sont les obstacles. Merci, miss. Rien, maman. Une visite qui n'a pas été gratuite. La petite fille s'y maximise toujours. Elle a maximisé le tout, si c'est vrai. Elle a dit, maman, je veux apprendre à faire le tarot. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et elle a fait son tarot elle-même. J'étais seulement à côté pour quelques petites touches et quelques petits détails. Mais c'est 100% réussi. Aïe, ma fille. Non, je suis trop fière de toi, mon bébé. Lycée, ça, ma chérie, tu as lissé. J'ai donné la main et ouais, là, on m'a gagné cette... Ça, la main et pas la machine. Oh my God. Le tarot en moins d'une heure de temps. Donc, vous qui dites que vous ne pouvez pas écraser le tarot de papa, écraser les condiments du tarot de papa, là, rien compris. Maman, quand tu fais parler de sa paille, écrit tout ça. La façon que tu as lissé ton tarot, la main, non, je le confirme. J'ai donné la main. Bon appétit. Merci, ma chérie. La relève est assurée. Je m'attendais que tu ne donnes que du tapes poteau, ma chérie. Tu n'as pas tapé poteau? La sauce là. La sauce est. Et regarde, maman. Tout le mieux. La couleur de ça. Très joli. Et le goût de ça. Le goût de ça. Et pas les condiments déjà écrasés. Certains disent, moi je n'achète que les condiments déjà écrasés. Mof, le goût de ça est différent. Tu es en train de faire quoi, ma? On va plier le tarot là, mais. Miss Kamchef est en pleine formation. Elle est passée du cuit au tarot. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette mamite? Ça, c'est la viande de bœuf. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Juste du sel, de l'eau et du sel pour bouillir la viande simplement. Et ton tarot, il est toujours à chaud, c'est bien. Il faut penser à mettre de l'eau à l'intérieur. Maman Kamchef est toujours à côté en train de revoir et donner des précisions pour parfaire, n'est-ce pas, la future pileuse de tarot de je ne sais qui. Vas-y, massage, vas-y, un peu, tu vas arriver. Couvre la mamie du tarot d'abord, ma chérie, pardon. Quand tu fais ça, tu couvres la mamie de temps en temps, tu couvres. Et tu es plus vite pour que ça ne devienne pas froid. Non, tu ne mélanges pas comme le couscous. Tu suis la même direction. Ubuma de Maïsta. Le plus important, c'est de ne pas faire rapidement, c'est de faire lentement, mais sûrement. J'ai goûté ce que tu as écrasé la main, c'est bien écrasé. Continue comme ça. Tu vas un à un. Après, tu vas prendre deux. Après, tu vas finir par prendre trois. Après, tu vas même prendre cinq. Mais le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de grumeaux dans ton tarot. Continue comme ça, tu vas arriver. On va voir le résultat à la fin. Je te laisse faire. À force de forger, on devient forgeron. That's good. Quand tu as la volonté, ça ne peut qu'aller. Académica ne veut pas dire qu'on n'entre pas à la cuisine pour son mari, ma chérie. Tu dois être en même temps académica, mais en même temps femme au foyer. Ça, c'est très important. Le tarot de papa. Ah, tu dois faire pour piler le tarot de papa. C'est ce que ta maman t'apprend. C'est ça la femme bamileke, la femme africaine. Ce sont les valeurs que nous vous donnons. Ma petite à petit, l'oiseau fait son nid, la vraie, mais tu as presque fini. Presque. Il reste trois tours. Merde, c'est bien ça, ma fille. That's good. C'est bien ça, maman. Ouh, un peu, tu vas devenir une pileuse de tarot, ma fille. Quand le tarot reste dans l'eau, c'est toujours mou. Donc, tu écrases sans peine. Pourtant, si ça n'était plus dans l'eau chaude, c'est devenu comme le macabre. Ça, c'est le kojo. Kojo. Ça, c'est le soup. Soup. Ça, c'est le moelam jeng. Moelam jeng. Ça, c'est le chamgeng. Chamgeng. Le mka. Le mtom.
Ça, c'est les quatre côtés encore appelés tchétchon. Ça, c'est le gengna. Ça, c'est le gomna. Ça, c'est un demi-ké. Ça, c'est un petit zipf. Ça, c'est un petit gejo. Ça, c'est le gengno. Sorla. Sorla. Sorkompiment, non. Sorkompiment, sorla. Du village, sorla. Ceci, là, c'est un petit ké. Maintenant, ça, c'est madjang. Madjang. Le tsokon. Et ça, c'est un petit zipf. Maintenant, ceux-ci là, on va griller. Le lemkro, le lemtom, le madjang. On va un peu chauffer la pâte dans le goût. On peut aussi mettre le kro là-dedans aussi. C'est la viande du taro, et normalement, ça là, ça suffit. La viande qu'on a mis extra là, ça c'est pour les riches. Et tu as mis quoi ici? Là, c'est le kobapot, dans l'arrêt fumé, le poisson de l'arrêt fumé, avec du bunga. On a ajouté un piment à l'intérieur avec un peu de sel. D'accord. Dans le feu bouillir. Et là, j'ai mon taro qui est presque tout pilé. Donc, il me reste deux touffes. Bon, je ne pile pas comme ça, mais j'aplatis plutôt. Parce que tu n'as pas de moitié. Tu, voilà. Tu fais avec les moyens de bord. Exactement. Dans une marmite. Pour que ça soit lisse, il faut aplatir comme ceci. Tu n'es pas. De crémeux. Voilà. Exactement. Il y a une vidéo. Maman Kamchef a détaillé vraiment tous les condiments. Et grâce à cette vidéo, vous pouvez savoir en fait comment tous ces condiments s'appellent. Moi, la vidéo est tellement détaillée. Il vous suffit d'aller sur la vidéo. Les secrets non dits de la sauce jaune. Exactement. C'est détaillé gramme par gramme. Ça, c'est très important. Tu concasses d'abord comme ça, ça devient plus facile à écraser dans la machine. Quand tu écrases même sur la pièce, le goût de ça est même différent. Tu veux la mouka? On va appeler le mouquin. Et là, c'est les condiments. J'ai déjà commencé à appeler. Ils sont bons. Wow. Le secret de la sauce, c'est d'abord le condiment. Quand tu écrases les condiments toi-même, le goût de la sauce est complètement différent. Maintenant, on va passer à la sauce. Tu vas maintenant enlever les arêtes de bunga et la peau de bunga. Tout ce qu'on ne mange pas, tu jettes. C'est comment tu mets ici dedans. Maintenant, le jus du bunga, ça veut dire qu'on va faire la... Ça, on mange. Le jus de bunga, ça veut dire qu'on va faire la sauce. Le jus que tu aurais filtré, tu mets ici dedans dans le piment, si. Il n'y a pas de sable parce que tu as filtré. Tu vois que voilà la quantité d'eau que tu as. Là, nous avons le jus de bunga et le piment. On va bien écraser le piment avant d'ajouter dedans le jus et le vinaigre. Là... Nous avons le vinaigre traditionnel. Voilà, on va mettre un peu de notre vinaigre traditionnel dans le mélange. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà ta sauce jouée en 2 secondes. Maintenant, on va acheter les condiments là-dedans. Goûte, goûte, on goûte ta main. On n'a même pas encore mis les condiments, imagine-toi. On a besoin d'autre, une cuillère à soupe de condiments. C'est bien concentré. Tu vas voir ta sauce jaune tout à l'heure. Surtout quand les condiments sont faits maison, les fédérales n'ont pas assez tranquille. On ne peut pas échouer. Voilà maintenant. Oh, regarde la texture, regarde la texture. Tu vois la texture. C'est bon. Hein? Tu me demandes ma goutte. Toi-même goûte, tu me dis. Si tu veux finir mes condiments. Oui, je vais finir. Tu as fini mes condiments par où là? C'est bon comme ça. Bon. Non, c'est bon. Oh, la question. Hein. Dis-moi ce que tu penses. Apon. En 2 secondes, tu as fait la sauce jaune. Pap. J'ai son bois seulement. Maman, couleur, regarde la couleur. La couleur et la texture. Exactement parfait. Aïe! Likez si vous avez aimé, partagez la recette. Oh. Ne gardez pas les secrets pour vous tout seul. Elle vous apprend à manger africain, manger camerounais. Vous n'êtes pas dit manger Baham parce que Miss Kamchef, elle tient à sa culture. Du cuit au taro et un taro bien fait. Tout à l'heure, elle va nous dresser la table et on va voir à quoi ça ressemble. C'est pas la fête que maman Kamchef fait ça en 1 heure là. Elle fait ça 30 minutes au chrono. Il faut chronométrer. Tu nous donnes ça prochainement en live. Elle est assise à la nourriture. Ma fille est assise à la nourriture. Voilà notre sauce jaune.
ainsi terminé. Likez si vous avez aimé. Partagez la recette. Ne gardez pas le secret pour vous tout seul. Et à bientôt pour les prochaines recettes. Vous avez vu la sauce jaune? La texture de la sauce. Dressez-nous un commentaire après l'avoir essayé. Là, nous avons les obstacles du tarot. Ici, nous avons le tarot écrasé à la main par Miss Kamchef. Et là, nous avons la sauce de Miss Kamchef. Quand tu manges un tarot fait par ta fille, regardez la texture. La texture, maman, la texture, regardez. Elle a dépassé maman Kamchef, regardez. Aïe, 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 aïe. La texture de sa sauce, la couleur de ça. Le tarot est bien écrasé. C'est comme si on avait écrasé à la machine. Elle a fait ça, écrasé à la main, elle a pris le temps. Vous mangez. Merci, Miss. Rien, maman. À la prochaine. Tu as bien de nous servir du vin, ma chérie. Maman, on va voir le vin aujourd'hui. Hey, tarot, ça en veut, ma mère.